Jusqu'au 22 juillet, le musée Jacquemart-André à Paris présente un petit bijou d'exposition, une exposition montée par Jean-Loup Champion, un éditeur d'art chez Gallimard, qui est aussi collectionneur de peintures danoises et qui a choisi un des plus beaux artistes du 19e siècle danois, Wilhelm Hammershøi. Alors, Hammershøi, ce nom vous dit peut-être quelque chose. Il y a eu une exposition au musée d'Orsay en 1995, mais depuis ce moment-là, plus aucune exposition n'a été consacrée en France à ce grand artiste très original et qui se démarque de la production de cette deuxième moitié du 19e siècle. Ce qui est pratique avec Hammershøi, c'est que les détails biographiques ne sont pas très nombreux. On peut aller très rapidement. En fait, c'est un artiste qui naît à Copenhague en 1864, qui vit à Copenhague, qui meurt à Copenhague en 1916 et qui passe l'essentiel de sa carrière donc au Danemark. Sa vie est très intéressante. D'abord, il est né dans une famille luthérienne, donc des protestants un peu sévères. Il a une grande aptitude au dessin. Il commence à peindre dès l'âge de 8 ans. Il rentre à l'Académie royale danoise des beaux-arts à 16 ans. Puis il va dans ce qu'on appelle des ateliers libres, où il rencontre un artiste qui s'appelle Krøyer, un grand artiste danois spécialisé plutôt dans des extérieurs avec des jeux de lumière. Et donc il se forme rapidement et il trouve avec ses amis et avec sa famille, c'est très important de parler de sa famille, très rapidement son style, qu'on pourrait résumer avec cette toile, des formes très simples, souvent des femmes vues de dos dans un intérieur, et un jeu de lumière réduit à la plus simple expression, des beiges, des gris et des noirs. Pour en arriver là, c'est intéressant parce qu'encore un dernier élément biographique, il va épouser son modèle. Donc son modèle lui plaît tellement qu'il l'épouse. Et dans la belle famille, il y a un beau-frère qui est lui aussi peintre. Et puis Hammershøi a d'autres amis qui sont peintres. Et ce qui est intéressant dans cette troisième salle de l'exposition, puisque nous n'aurons pas le temps de tout voir, on se réserve le meilleur, eh bien on peut faire la comparaison avec ce que font ses amis. Par exemple, si on regarde Holse, qui est ici, on voit bien que ce Holse fait lui aussi une femme vue de dos dans un intérieur, mais c'est très différent. On est là dans une sorte de naturalisme bourgeois, on va dire, un intérieur bourgeois confortable, avec exactement les caractéristiques de ce que l'on verra dans les œuvres de Hammershøi, c'est-à-dire du mobilier, des tables, une fenêtre avec des rideaux, un jeu de lumière. Mais là, qu'est-ce que l'on voit? Plutôt le confort, le bonheur familial. Même chose avec son beau-frère, Peter Eksted, qui représente une femme à l'enfant dans un intérieur. Même fenêtre inspirée par les Hollandais du 17e, le poêle, on voit bien les murs tout simples, à peine chaulés, à peine peints en blanc, mais là aussi, c'est le bonheur familial. Il s'est présente aussi une femme vue de dos, mais il est beaucoup plus intéressant de s'attarder sur notre ami Hammershøi. Ici, on est un peu différent. Pour une fois, c'est un personnage, pardon, le frère de Hammershøi, qui est représenté ici debout en train de lire au coin d'une fenêtre, et on revoit les mêmes éléments de mobilier, des dessins, des tableaux accrochés sur ce mur gris, mais là, il y a une science de la couleur. Dès qu'on se rapproche du tableau, on voit la matière utilisée, un peu cotonneuse, pas beaucoup de précision, plutôt une sorte d'évocation, et puis des points de netteté. Quand on regarde le dossier de la chaise qui se détache sur le bureau à battants, eh bien on voit là les lignes, bien évidemment, de ce mobilier du 18e absolument bien dessinées. Et on voit combien l'artiste s'intéresse à la lumière. En fait, c'est la leçon de Vermeer et des Hollandais qu'on va retrouver dans la salle d'après. Je vous ai dit que les éléments biographiques d'Hammershøi sont assez moindres, assez peu nombreux, peut-être juste. Et là, c'est amusant, c'est presque un clin d'œil, pour dire que les grands événements de la vie d'Hammershøi, c'est d'avoir déménagé 3 fois, d'avoir eu 3 appartements à Copenhague, dont les décors, surtout les moulurations, se retrouvent dans les tableaux. Je devrais rajouter qu'il a eu un succès assez rapide. Dès l'âge de 40 ans, il reçoit une médaille de bronze à l'Expo universelle de 1889 à Paris. Il aura beaucoup de collectionneurs à l'étranger et un collectionneur spécifique danois qui va lui acheter un grand nombre de ses œuvres. Mais comme c'est un artiste qui peint lentement, posément, il y a une production assez restreinte et donc il est très compliqué aujourd'hui de monter une rétrospective à Hammershøi.
Alors, entrons dans la salle sans doute la plus spectaculaire, enfin, les deux salles les plus spectaculaires de l'exposition. D'abord, avec cette vue de Strandgade numéro 30, qui était donc l'adresse, la maison, l'appartement familial de Hammershøi, où il vivait avec sa femme, son ex-modèle devenue femme. Qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on voit un peu comme un tableau hollandais du XVIIe siècle, une femme accoudée à sa fenêtre en train de regarder dans la cour intérieure de l'immeuble. Et ce qui est passionnant, c'est de voir qu'un peu comme la peinture hollandaise, on a ces fenêtres à petits carreaux, on voit ce jeu de lumière qui vient pointer précisément au centre de la toile, mais il y a ce jeu de regard, il y a cette femme qui regarde en bas on ne sait pas quoi, et ça va être justement ce on ne sait pas quoi, tout l'intérêt des œuvres de Hammershøi, c'est que systématiquement on se pose des questions. Pourquoi cette femme est de dos? Qu'est-ce qu'elle regarde celle-ci vers le bas? Pourquoi il y a tel élément de décor qui est mis en avant? Pourquoi Hammershøi s'amuse chez lui à bouger les meubles pour trouver exactement un point de vue original? Eh bien, c'est ce que va montrer toute cette série de variations. Et en l'occurrence, on a cette variation d'intérieur avec femme debout, où on voit quasiment toujours les mêmes éléments. Une femme vue de dos. Qu'elle fait-elle? Est-ce qu'elle est en train de lire, comme dans l'œuvre de Vermeer? Est-ce qu'elle est en train de se verser une tasse de thé? Elle est devant sa fenêtre, vue de dos, et puis on a toujours ce jeu de perspective, de lignes horizontales, verticales, c'est quasiment un Mondrian du XIXe siècle. On voit bien donc une sorte d'épure, et puis de temps en temps, des éclairs absolument géniaux, un peu comme Bonnard et les Dabi ont pu avoir, un peu comme les artistes français post-impressionnistes ont pu avoir, quelques éléments vraiment originaux. Là, par exemple, si on regarde bien la toile, on voit que la bordure gauche du tableau est en fait l'embrasure du mur. Donc on a cette longue ligne verticale qu'on va retrouver dans certains tableaux de Bonnard. On va voir aussi, très original, qu'on voit aussi chez Bonnard et chez Vuillard, cette ligne verticale qui est en fait la porte d'accès qui est vue en biais et qui forme une ligne soulignée par ce trait de lumière parce que la lumière s'accroche sur la porte. Et donc c'est un jeu de volume, de cubes dans des cubes qui viennent buter contre cette porte fermée. Et bien ce même principe va se retrouver dans tous les tableaux de Hammershøi représentant ses intérieurs de son appartement, femme vue de dos, le poêle, les boiseries de l'appartement, et là, une petite touche de couleur chaude avec cette table ronde et ses couleurs un peu auburn, ou bien ces variations plus jaunes, cette fois-ci, avec l'ambiance colorée, mais vous voyez, toujours les mêmes meubles, toujours le même côté strict, limité, presque radical de la peinture d'Hammershøi. Alors, Hammershøi va encore plus loin. Il va même éliminer le modèle dans la dernière série qui est dans la dernière salle de l'exposition. Dans cette série d'intérieurs vides, où on voit l'épure menée jusqu'au bout, cette fois-ci il a éliminé le personnage, il a éliminé le modèle, et il se concentre uniquement sur les jeux de lumière. Jeux de lumière sur les meubles brillants, quasiment vernis au premier plan, jeu de lumière sur le mur avec cette fenêtre qu'on imagine ensoleillée, enfin entrouverte ou fermée, mais laissant passer la lumière jaune qui vient taper sur le mur gris. Lumière sur les quelques éléments métalliques, comme ici cette lampe qui est posée sur le meuble ou bien sur ce bol en céramique qui accroche la lumière. Donc c'est vraiment un jeu sur ces réflexions, sur cette lumière, un peu comme dans Georges de la Tour, une lumière indirecte, on ne voit pas la provenance de la lumière directement, mais on la voit jouer sur un élément. Et puis ici, alors là, ça je crois que c'est vraiment l'apothéose dans ce genre de proposition, on ne sait même pas qu'il y a une fenêtre, on voit simplement cette réflexion de la croisée, on voit cette espèce de croix qui apparaît dans un intérieur, dans cet intérieur de son appartement entièrement vidé et remeublé spécialement pour l'occasion, pointant l'importance du portrait à l'intérieur. Donc on est dans des tableaux qui expriment vraiment l'intériorité, comme si l'artiste s'était refermé sur lui-même, s'était coupé du reste du monde pour ne peindre que chez lui, que son modèle lorsqu'on la voit, que sa femme, et puis cette radicalité va séduire de grands collectionneurs. On pourrait terminer peut-être
avec ce tableau intérieur rayon de soleil sur le sol, où on a, comme le tableau précédent, un jeu de lumière. Alors cette fois-ci, on voit la fenêtre qui donne dans la cour, qui montre le mur de l'autre côté de la cour. Donc il y a un jeu d'enfilade, de perspective, et surtout donc cette réflexion sur le sol. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un pianiste qui avait acheté le tableau, un ami d'Hammershøi, qui avait acheté ce tableau. Et le tableau était légèrement plus grand, avec un personnage sur le côté. Eh bien, ce peintre a préféré rabattre un morceau de la toile pour conserver cette rigueur, cet extrême dépouillement des tableaux de Hammershøi, en ne gardant que le morceau de table qui apparaît sur le côté gauche, avec cette nappe. On ne sait pas très bien là encore à quoi elle sert, mais surtout le tableau, c'est une fenêtre qui ouvre à l'extérieur, et une porte, symbole d'enfermement. On est dans Ibsen, on est dans une sorte de huis clos de peinture et de délectation de l'art.